Eh bien, bonsoir. Eh bien, bonjour. Bonjour et bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Toujours. Dans votre lit ou au bureau. Pas bien. Pas bien, ça, pas bien du tout. Oui, alors tu voulais alors, à tout prix aujourd'hui, me faire jouer sur des choses. C'est ça, les gens se posent quand même des questions. Qui est Monsieur Philippe Gillet? Quelle est l'association Infaune? Quel est son but? Quand ça a été créé? Les gens se posent des questions. Ils aimeraient bien savoir un petit peu plus sur l'association Infaune. Vous êtes curieux. Si c'est vrai, parce que je sais pas ce qu'il dit, mais moi je vais pas raconter toute ma vie quand même, parce que là aujourd'hui on va parler de l'association Infaune, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, alors parce que l'association Infaune, pour rappel, information sur la faune, elle a été créée quand l'association Infaune? Il y a une trentaine d'années à peu près. On a 1986, je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Je sais plus, ça fait un moment. Mais pourquoi j'ai créé cette association? Parce que quand je suis rentré d'Afrique, parce qu'évidemment, coup d'État, guerre, etc. Donc, à un moment, on rentre ses femmes, les enfants, puis après, on rentre en dernier, en disant bon, et tous les biens qu'on avait depuis 3 générations, 4 générations, ben, on a tout perdu. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et dans ces pays-là, on n'est pas chez nous, s'ils décident de tout prendre, ils prennent, et puis voilà, c'est l'Afrique, on ne peut rien y faire. Mais l'Afrique ou ailleurs, hein, on n'est pas les seuls, hein, ça se trouve un peu dans tout le monde entier. Hein. Et donc, moi, j'ai décidé d'entrer parce que d'une part, mes enfants, j'ai quand même 3 enfants, hein, un garçon et 2 filles, et avaient besoin d'avoir des écoles françaises à l'étranger, oui, bien sûr, mais d'avoir, c'était des Français, donc je leur donnais les codes français. Donc, il a fallu rentrer femmes et enfants. Après, bon, bah, on a essayé de travailler un petit peu, mais vous savez, quand c'est la guerre, on ne travaille plus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, bon, moi, j'ai pris l'avion, j'ai plié les bagages, et puis je suis rentré. En disant, je retournerai peut-être un jour. J'y suis retourné, effectivement, mais c'est plus la même chose. Tu m'en as parlé un petit peu. C'était... Beaucoup de courtoisie autrefois avec les Africains, ça se passait bien. Mmh. Moi, comme je dis, je parlais langue africaine, ça se passait très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de révolutions. Le monde essaye de déstabiliser l'Afrique, essaye de foutre un peu le bordel. C'est plus le terme, mais moi, je le dis. Et c'est dommage. Aujourd'hui, on est dans des pays à moitié en guerre. Je passe sur le temps à s'entretuer. C'est pas ça. Quand c'est pas des pays étrangers comme les Russes, etc., ou les Français, ou les Chinois, ou les machins. Après, c'est leur histoire de politique qui ne m'intéresse absolument pas. Donc moi, j'ai quitté tout ça en disant, bon, bah, écoutez, si vous voulez vivre avec la guerre, moi, c'est pas mon truc. J'ai assez subi comme ça, c'est bon. Et je suis rentré en France, effectivement. La date, je vous la dirai pas parce que je me souviens plus. Hein, c'était... Moi, j'ai envie de te dire, c'était quoi la première chose que tu as fait quand tu es rentré en France? En vrai. Eh bien, il a fallu trouver un endroit pour dormir. Bah déjà, oui. Alors déjà, pour trouver une maison, c'est pas évident parce que si vous arrivez d'Afrique, vous avez un peu d'argent, mais vous pouvez pas louer une maison, un appartement, le temps d'eux, parce que nous, on avait une maison en Bretagne, mais qui était louée, donc on a laissé le bail se finir. En attendant, bah écoutez, j'ai vécu dans un appartement pendant 3 ans. Et j'avais jamais vécu dans ma vie dans un appartement. Alors quand on a des grands espaces, on se retrouve là... c'était un petit immeuble, hein, il était pas très gros, il faisait 5-6 étages, je sais plus, tout petit truc tout neuf, nickel. Nous, on était au rez-de-chaussée, mais tous les matins à 6h, tout le monde va aux toilettes, à 7h, tout le monde, la voiture commence à décoller. C'est vraiment, j'arrivais dans un monde un peu comme des souris, le jour se lève, on va travailler, on fait ci, on fait ça, on revient. C'est minutieux, c'est comme ça. Ouais. Je connaissais la France parce qu'on rentre chaque année, on va en vacances, on va en France, on va à Paris, on va faire du, on va à Nice, on va à Noirmoutier, on faisait des choses, on allait faire du ski, on faisait des choses, on avait 2 mois de vacances par an, on en profitait évidemment, mais pas sur le côté d'y vivre, c'était pas pareil. C'est comme Paris, moi j'adore Paris quand j'y vais en tourisme, mais j'ai pas envie d'y habiter. C'est comme un peu tout le monde. Au final, la plupart des gens qui vont te dire, bah on est allé vivre à Paris, c'est pour le boulot. C'est pas vraiment. Voilà. Il faut pas oublier que les gens qui partent en vacances dans un pays, en Thaïlande ou ailleurs, oh c'est super, j'aimerais y vivre. Attendez, vous êtes en vacances, c'est autre chose. C'est ça. Si vous vivez dans le pays, c'est encore autre chose. Toi, tu vis dans quel pays, toi? Ah oui, t'as vu que tu veux qu'on te gratte, voilà. Oui, mais j'ai autre chose à faire là. Alors, descends, va jouer, on le verra après. Excusez-moi, c'est une fille, elle est collante. Non, faut bien dire des petites choses. Oui. Mais ça prouve au moins qu'on les aime et qu'ils nous aiment. Ils le ressentent, ils le savent très bien. Ah bah, donc je suis rentré en France et puis bon, bah, j'ai un ami un jour qui m'a, très rapidement, qui m'a appelé, il m'a dit, t'es en France, je suis en train de fabriquer des terrariums extraordinaires, des terrariums pour la Cité des Sciences de la Villette à Paris.
C'est un terrarium qui valait le prix d'une voiture. Le terrarium, hein, avec des trucs, des machins, des trucs. Mais il m'avait demandé conseil là-dessus. Moi, je lui dis, écoute, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Il faut pas oublier de mettre, par exemple, il y a beaucoup de gens qui marchent, comme c'était en hauteur. Il faut mettre des caoutchoucs sous les terrariums, par exemple, pour éviter qu'il y ait trop de vibrations. Trop de vibrations. Voilà. C'était des détails. Donc, ils avaient monté ça. Ah oui, et un jour, coup de téléphone de la Cité des Sciences, monsieur Gillet, écoutez, on aimerait bien, voir ce que vous pourriez faire avec nous. Avec vous, Cité des Sciences, je connaissais pas. Moi, je connaissais que c'était un gros truc à visiter, mais c'était moderne. C'était un très beau bâtiment, hein, c'est extraordinaire. Il y a la géode, il y a eu beaucoup de choses. Et ils m'appellent et je leur dis oui, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, comme j'allais souvent à Paris mettre mes enfants, mes filles étaient à Paris, à Saint-Germain-en-Laye, à la Légion d'honneur, ce qu'on appelle à la Légion, elles étaient c'est là-bas, justement. Donc on les accompagnait, on les ramenait. Et un jour, j'ai retrouvé des petites photos des terrariums de la Cité des Sciences. Les voilà, oui, c'était magnifique. Vous les avez avec moi. Il y avait des pompes, il y avait des systèmes d'hygrométrie et tout. Et on m'a demandé de faire des décors là-dedans, de m'en occuper. J'ai dit pourquoi pas. Et donc, j'étais à l'époque très, très bien payé parce que j'étais payé de l'heure. C'était une belle fortune. Enfin, pour vous donner les chiffres, c'est pas la peine. Ça mais j'étais très bien payé. Et pendant ça se compte en millions. Enfin. Hein? Non, c'était pas en millions. Non, j'étais payé à l'heure. À l'époque, bon, après, voilà, c'est pas obligé de parler de salaire. J'étais à 600, 700 euros. Et moi, j'ai. Francs. Et moi, j'étais payé 350 francs de l'heure hors taxe. Hein, dans mon truc. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester là? Mais tu lui manques, Philippe, tu lui manques. Et donc, j'ai fait les décors. Ils m'ont demandé, les terrariums sont là, j'ai fait une expertise et tout, en disant, voilà, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dis donc, là, tu es un peu collante. Allez, va jouer. Va là-bas. Hein? Oui, t'es gentil. Oui, je sais, t'as bien les câlins. Et il y avait des gens qui étaient là en train de noter tout ce que je disais. Et à la fin, quand j'ai eu ma réunion, a été terminée, je m'en vais. Monsieur Liénard, je me souviens de son nom, me raccompagne. Je fais un bout quand même, il me raccompagne jusqu'à la sortie de la Cité des Sciences et il me dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour nous? On vous prendrait et on vous paierait 350 francs de l'heure. Donc il y a quand même une vie avant un faune. Ça c'est avant un faune, bien sûr. T'es pas passé, enfin voilà. C'est bien avant un faune. Bien avant un faune. Et je lui dis, oui, pourquoi pas, mais... Parce qu'il voulait d'abord m'engager. Moi, je dis non, moi, je veux pas vivre à Paris, je veux pas travailler dans Paris, ça m'intéresse pas. Mais si vous pourriez travailler pour nous. Alors, dans le titre, en faisant des déplacements régulièrement. Et donc, il me proposait ça, il me dit 350 francs, on peut vous payer ça à l'heure. Et hors taxe, il me dit, on me dit oui, mais pourquoi pas. Et pourquoi pas? Pourquoi ça peut être intéressant parce que je tiens à garder, et j'ai toujours gardé ma liberté. Hein, c'est ce que j'avais envie de faire dans ma vie, le problème. Et donc on a fabriqué ces terrariums qu'on vient de voir, sont magnifiques. Les terrariums, il y en a beaucoup. Et quand on avait fini les décors, tout était fait, ça a été inauguré par un ministre, etc. C'était un gros truc. Je voyais les gens qui venaient regarder, mais qui venaient surtout pour le frisson. Taper un peu sur les vitres, regarder les bêtes, et puis faire peur à la copine. Un petit oui, voilà, ça c'est des décors pour des dendrobates, entre autres. Ah oui. C'était des dendrobates, d'accord. Une petite grenouille, et on en avait plein qui sont. Non, c'était pas des dendrobates, c'était des grenouilles mantella. Alors, c'est des grenouilles de Madagascar, rouges, vert, jaune, très belles. Maintenant, elles sont protégées, elles ne sont plus exportées, c'est bien. Mais bon, elles sont produites très bien à l'époque, hein, parce que là, il y a les cyclones qui les détruisent aussi, il y a plein de choses, hein, et les produits chimiques, il ne faut pas l'oublier. Toujours. Et donc, on avait fait ça. Mais je voyais les gens qui venaient plus pour le serpent se faire peur. Les araignées, c'est ça. Ils n'essayaient pas d'apprendre. Alors qu'on avait en dessous marqué en anglais, en français, en braille. En braille. On avait des trucs en relief pour que les gens puissent toucher la peau. C'était un très beau boulot. C'était vraiment magnifique. Et ça attirait beaucoup de monde. Et je comprenais pas que les gens, les Français, je pensais que les Français, comme moi en Afrique, je connaissais les animaux, les lions, les buffles, les éléphants, j'étais guide de chasse, je connaissais bien les animaux. Toi, tu connaissais les animaux, c'est ça. Mais pas les Français qui vivaient. Mais les Français qui connaissaient pas les reptiles. Ouais, ils connaissaient pas. Ils en avaient peur, ils connaissaient rien. Et c'est là que l'idée m'est venue en disant, mais c'est marrant, beaucoup, beaucoup de gens, quand on parle, ils connaissent absolument pas les animaux. Et comme je dis souvent, on sait déjà ce qu'il y a sur la Lune. On sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. On pourrait déjà commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire les animaux. Toujours. Et c'est là que j'ai décidé de créer une association qui s'appelle l'association Infaune, information sur la faune. Mais pour là, ça, il a fallu. On est à peu près en 1986, 87, à peu près, oui, je pense. À peu près, oui. Dans ces eaux-là, voilà. Oui, c'est. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'étaient même pas nés à ce moment-là. Beaucoup. Mais bon. Ah, et l'ancêtre, il a dû vécu. Pas un vieux dinosaure, mais pas loin, mais pas loin. Hein. Et donc, j'ai décidé de créer cette association et de créer des modules thématiques, pédagogiques et interactifs. Et
comment faire, c'était ça mon problème, c'est comment faire pour faire du gratuit au public, pour que la connaissance soit gratuite. Pour moi, la connaissance, c'est pas difficile, la connaissance, c'est naturellement gratuit. Si je vous amène de la connaissance, on la partage, c'est ça. Moi je la garde. Comme t'expliques souvent, si je vous donne quelque chose, je le perds. Je vous donne, je sais pas moi, un objet, moi je perds l'objet, c'est vous qui les récupérez. Alors que la connaissance, ça se multiplie, donc c'est facile. Donc, j'ai décidé comment faire pour que ce soit gratuit pour le public. Tiens, notamment, il y a une petite, alors, ça, un des petits modules de Airphone. Ça, voilà. Alors, celui-là, c'est l'espace pédagogique où il y a des squelettes, des crânes, des organes, etc. Parce que pour moins avoir peur d'un serpent, et ça, vous le savez maintenant parce qu'on est sur les réseaux, hein, avec Axel, grâce à lui, entre autres, et on n'oublie pas Julien qui a commencé avec nous. Oui, toujours. Oui, je sais que tu es là. Bon, va jouer. Allez, va jouer. Non, n'oublie pas Julien. Eh bien, on démystifie, ça fait des œufs, ça vit. Et quand on rentre dans l'intimité de l'animal, ça ne devient plus un monstre, mais ça devient simplement un animal à part entière. Et en gros, bah, toi, du coup, tu te battais pour ça. C'est... Enfin, ben, je ne me battais pas. Tu te battais, non, mais... C'est qu'il a fallu trouver un moyen pour que les Français puissent regarder gratuitement des expositions. C'est ça. Et là, j'ai traité avec... à Nantes, d'ailleurs, j'ai traité avec la grande surface de Nantes, je ne connaissais pas. J'ai fait les maquettes. Il y avait une quarantaine de modules qu'on a fait et qu'on a installé dans une très grande galerie. Après, on a fait ça pendant 30 ans. Thématique, pédagogique, interactif. Mm-hmm. On avait le son, on avait le module où on pouvait appuyer sur des boutons, on entendait le serpent sonner, on entendait la crapaud crier, ou on entendait le gecko toquer. J'ai envie de te faire mettre une petite vidéo que j'ai retrouvée là, il n'y a pas longtemps. Oula, vraiment, oula, 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 oula. Genre une heure. Il y a une exposition en particulier, qui a très très bien marché. Ah bon, et même pas, tu vois. Elle date de 2001. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo? Ah ben c'était à Beaulieu, c'était la deuxième exposition. Oh là là, oui, j'ai... Vous voyez, je suis pas né avec les cheveux blancs. Non, non, d'ailleurs, il faut que j'aille chez le coiffeur. Vous voyez, on faisait des grands modules, les Ali et Gator. Et ça, c'est Ali, tout jeune. Ali tout jeune. Et ça, c'est Gator, tout jeune. Ah oui, il n'a pas beaucoup de dents, lui. Hein. Dans la nature, il est en pas survécu. Les iguanes, alors on faisait des cases. Mais vous voyez, les gens pouvaient rentrer à l'intérieur des cases. On faisait des expositions, mais c'était gratuit. Pourquoi ? Parce que je m'étais organisé avec l'association des commerçants qui offrait cette prestation, on va dire, ouais, pendant 15 jours. Ouais. C'est l'association des commerçants qui payait mon association Airphone. Et nous, les membres, on était tous bénévoles et on prenait 15 jours de vacances pour aller dans la galerie marchande expliquer aux gens, démystifier ces animaux pour la connaissance. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant presque 30 ans. On avait des animaux qui étaient habitués au bruit, habitués... parce que vous savez qu'un animal, quand on voit par exemple, j'ai un mamba, là, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui est dans une petite cage, qui paraît petite. Mais le mamba, lui, il monte, il descend. C'est un arboricole. Et le mamba, quand il est dans une cage pas trop grande, ou un autre serpent, s'il a à manger tous les jours, il reste toujours au même endroit, il est en sécurité, il n'est pas attaqué. Bah oui, il n'est absolument pas attaqué par les autres. Mmh. Il n'a plus de prédateurs. Donc, il devient sociable tout d'un coup. Et quand on ouvre les vitres, qu'on nettoie, ils savent qu'on nettoie, qu'on remet de l'eau propre. Ils le savent très bien. Et ils se laissent faire au bout d'un moment. Et quand on habitue ces animaux au bruit et aux gens, bah, ils continuent à dormir pendant que les gens regardent et même top sur les vitres, c'est pas grave, ils dorment. On avait habitué les animaux aux expositions. Hein, il y avait toute une préparation à l'avance. Et on pouvait les mettre dans les galeries marchandes. Et souvent, les gens me disaient, ah, mais monsieur, quand même, c'est rare, hein, c'est très rare. Parce qu'en réalité, on a des sondages énormes. Revenez, c'est super, on a appris des choses, c'est génial, etc. Il y a peut-être même des gens qui sont en train de regarder la vidéo, là. Et qui sont peut-être vus, qui ont vu nos expositions. En France, avoir le droit de faire ça. Parce que j'ai passé toutes les capacités, tout ce qu'il fallait, exprès pour ça, justement, pour le but, pour ça. Ça, c'est un sacré boulot, hein. Je vous le garantis pour les capacités, présentation publique. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est du boulot. Ouais. Les amphibiens, les grenouilles, les serpents venimeux, puisque moi, je suis parasite entre un animal dangereux ou pas dangereux. C'est à nous de faire attention ou pas à lui. Voilà. C'est comme ça. Et j'étais présentation publique mobile. C'est-à-dire, mon établissement, c'est toute la France. Aujourd'hui, je peux me déplacer avec un crocodile ou un cobra. J'ai les autorisations. Voilà. Ça ne durera peut-être pas parce qu'on a toujours peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est comme ça. Voilà, j'ai réussi à me battre pour ça. Et pour amener de la connaissance aux Français. Parce qu'on aime les Français, même si eux, ils ne nous aiment pas beaucoup avec nos bébêtes, mais nous, on les aime quand même. Hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Quelquefois, ils nous disaient, mais les animaux, ils n'ont rien à faire dans une galerie marchande. Oui, d'accord, mais ils étaient là avant vous. Vous avez construit du béton, vous avez mis du marbre, il n'y a plus d'animaux. Alors, de temps en temps, il faut venir les voir pour que nos enfants découvrent ces animaux et savent. Tu te fais ta sieste, t'es tranquille. Et sauf que ces animaux-là, c'est pas des Pokémon, c'est pas des peluches, c'est des vrais animaux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qui ont besoin de beaucoup d'amour. Hein. Moi, je faisais ça avec des chimpanzés, avec des animaux en Afrique, j'avais toujours plein d'animaux, mais je me suis occupé de reptiles parce que les reptiles, c'est les seuls animaux qui n'ont pas besoin de beaucoup de place. Et quand ils sont dans un petit terrarium, ils ne sont pas inquiets.
Ils nous voient et ils savent bien qu'il n'y a pas un danger qui va arriver. Si vous faites un grand terrarium, l'animal, il ne dort pas beaucoup. Il regarde s'il n'y a pas un prédateur qui va arriver pour ne pas se faire manger. Une fois qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont marqué leurs petites odeurs un peu partout, mais ils ne bougent pas. Un reptile, ça vit dans un trou. C'est tranquille. Donc, si c'est trop petit, on voit leur nez, ils sont tout esquintés parce qu'ils veulent sortir. Regardez-les, ils sont nickel parce qu'ils n'ont pas envie de sortir. Et puis, on oublie la cage, elle est ouverte. On va faire un truc, on revient, ils sont toujours là. Hein. Oulala là là. Par contre, si vous mettez le bras à l'intérieur, vous violez son domicile. C'est une violation de domicile. Donc là, il aura tendance à dire, attention, si vous connaissez vous, il sait vous changer l'eau, il n'y a pas de problème. Attention. Vous leur donnez à manger, vous nettoyez la cage. Ils le savent. Mais si ce n'est pas vous, parce qu'ils entendent vos vibrations, ils ne sont pas sourds, et ils savent, et si ce n'est pas vous, là, ils vont se mettre sur la défensive en sentant qu'il y a quelqu'un qui est rentré sur leur territoire. C'est le cas notamment avec Alligator. Alligator, quand il y a un pas qu'ils ne connaissent pas, ça, ils grognent, ils font des... comme ils ça. Ils ont plein de chants, oui, ils ont plein. Ils ont plein de chants, ils grognent un petit peu, ils sont pas contents. Mais une fois qu'on apprend à les connaître, une fois qu'on est là souvent... Bah, regarde, tu es là en ce moment, il y a un alligator qui est là, l'autre est à côté. Ils bougent pas, ils sont dans leur coin. Non, du moment que le dominant, le mâle dominant, ou la femelle dominante, ça dépend des espèces, est là, et ils tolèrent les autres, personne ne dit rien. Si on n'est pas concurrent sur la nourriture, si on n'est pas concurrent sur le territoire, ils vous tolèrent, les animaux. C'est ça. Et ils sont plus intelligents que nous. Alors que nous, même si on se tolère, on finit par toujours trouver quelque chose qui fait qu'on va faire des palabres, des histoires. Ça, c'est assez curieux quand même. On est très agressif comme espèce. Hein. Et ça va, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, tu vas bien, toi. T'es contente, hein. Bah oui. Ah, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Alligator. Alors, Alligator. Notamment cette petite photo-là, dis donc. C'est quand ils sont arrivés. C'est quand ils sont arrivés, ça. Oui, parce que pour une exposition, j'avais besoin de Varron pour expliquer, dans une des expositions, un des modules, on parlait des dragons. Alors, les dragons, par exemple, vous avez le Varron. Les premiers explorateurs, quand ils regardaient, ils avaient des espèces de jumelles à l'époque, des longues vues d'ailleurs. Des longues vues. On voit bien ça chez les pirates. Les pirates. Et quand ils voyaient quand ils arrivaient sur les plages ou les machins, ils voyaient ces espèces de gros lézards. Qui avait une langue un peu rouge qui sortent. Hein. Je parle des varans, je parle pas des varans de Komodo, c'est autre chose. Non, là, c'est vraiment les varans. Voilà. Et ils tiraient une langue rouge, c'est les grands, hein, c'est les grands varans. Hein. Ils tiraient une langue rouge et en plus, ils faisaient de la poussière là, en soufflant. Ah, mais ils disaient, oh là 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 là, c'est des dragons, ils crachent du feu, on a vu des flammes, on a eu de la fumée, c'est des dragons. C'est des dragons. Voilà comment des légendes. Et donc, pour expliquer ces légendes, on a créé un module, un module où on mettait les varans. Et les varans, j'ai pas pu les avoir. Et Karim, d'ailleurs, qui est toujours en fonction, qui vend des animaux, qui est en règle, Karim Daouest, la ferme tropicale, ce qu'on appelle, qui fait bien les choses. D'ailleurs, si jamais vous voulez vraiment avoir un animal, si vraiment vous voulez en avoir un, il faut bien réfléchir avant, parce que c'est une vie. Mmh. Allez le voir. Lui, il pourra vous dire exactement ce qu'il vous faut par rapport à l'âge, par rapport à ceci, à cela. Il est très bien, il connaît très bien, on s'est connu tout jeune, je l'ai connu tout jeune. On est copains ou pas, on se voit une fois de temps en temps, on se voit pas pendant 3 ans, peu importe. Mais c'est quelqu'un de bien qui fait les choses en règle. Surtout. Ça, c'est important. N'achetez pas ça en Europe parce que l'Europe est ouverte, on achète des animaux n'importe où. Quand vous rentrez en France, elle a des vieilles lois, la France, n'oubliez pas ça, et qu'elle veut garder. Résultat, quand vous rentrez, vous avez passé une frontière qui n'existe pas, vous n'êtes plus en règle, donc vous devenez un trafiquant. Alors faites attention, achetez en France, n'achetez pas les animaux ailleurs, parce que vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, mais attention, vous n'êtes pas le droit de les avoir. Il faut bien se renseigner avant sur ces choses-là. On a créé l'Europe, mais regardez, l'Europe, on est libre-échange, on fait ce qu'on veut, mais attention, vous achetez des cartouches de cigarettes, vous n'avez pas le droit, 2 cartouches, 3 cartouches, 1 cartouche. Attention, pas plus. Si vous achetez de l'alcool, c'est pareil. Si vous achetez ceci, c'est pareil. L'Europe n'est pas finie, c'est un démarrage, si elle y arrive. Mais il faut que tout soit pareil. Mais ce n'est pas évident, toutes les lois, chaque pays veut garder ses petites lois, chacun. Il n'y a pas que la France qui veut garder ses petites lois. Et on peut se retrouver en infraction. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que si vous prenez un animal, sachez qu'il faut savoir, renseignez-vous, si vous avez le droit en France ou en Espagne ou en Italie ou au Portugal ou ailleurs, d'avoir de détenir cet animal. Si vous allez au Portugal, vous n'aurez pas le droit de détenir un crocodile, par exemple. Même avec les autorisations, vous n'aurez pas le droit. Vous voyez, il y a des lois. Il faut bien se renseigner avant. Hein, ben évidemment, si vous n'êtes pas en règle, vous avez un contrôle, d'abord on va vous saisir votre animal. Ça, déjà, quelqu'un n'a pas suffisamment de temps. Vous allez prendre une amende, vous risquez même la prison pour certains animaux qui sont protégés. Voilà, donc il faut bien savoir tout ça. Donc voilà un petit peu le truc. Et donc nous, on a fait pendant 30 ans dans des expositions à Créteil-Soleil, vous voyez, des grandes galeries, à Grand Littoral, un peu partout en France. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu ces expositions. C'est ça, ouais. Très pédagogique. Je pense que ça leur a rappelé des souvenirs déjà de nous voir maintenant. Et puis en plus de se dire qu'il y avait des expositions il y a genre 10 ans, 20 ans. Et là, et le module, on avait fait 2 grands modules pour les crocos qui pouvaient passer au-dessus. Là, comme on a vu dans la sur vidéo, le pont, et on pouvait voir le ventre. Et j'expliquais aux gens, vous voyez, là,
voyez, cette partie-là, c'est la peau qu'on va prendre sur le crocodile pour faire des sacs à main. Au-dessus, on va tout jeter, la viande avec, on va la manger, mais on ne prendra que cette partie de la peau-là. Oh, c'est dommage. Bah oui, mais là, on se rend compte que ces vieux animaux qui vivent une centaine d'années, qui ont connu les dinosaures, on en fait des sacs à main. Ils étaient là-dedans, c'est ça ou... Ah non, là, c'est les iguanes. Alors, ça, c'est les iguanes. Les iguanes. Alors, là, on avait une dizaine d'iguanes avec des oiseaux. Et voilà, donc du coup, tu avais la grande cage, la grande arène. Alors, la grande cage, elle faisait 10 mètres de long, à peu près sur 3 mètres de haut, sur 3 mètres de large. Et à l'intérieur, il y avait un couloir où les chaises roulantes pouvaient se croiser, évidemment. Et on passait dans le monde des iguanes. C'est ça. Et là, il y avait des oiseaux qui faisaient des nids, qui vivaient en symbiose. Parce qu'il faut savoir que les iguanes et les oiseaux sont cousins. Tous les iguanes, les reptiles. Si vous regardez, est-ce que vous connaissez, et ça j'ai déjà posé la question pour certains, vous allez dire oui, un animal, vous le connaissez, qui a des plumes et des écailles de serpent et qui est toujours vivant à notre époque. Ah ben, je vais vous donner tout de suite la réponse. Regardez les poules. On en mange. Et pourtant, si vous regardez les pattes de poules, c'est des écailles de serpent, ça mue de la même façon. Vous voyez, ils sont très proches. Il y en a un sans chaud, l'autre un sans froid, mais ils sont très proches finalement. Vous voyez, donc c'était bien de mélanger des oiseaux. On avait des cailles peintes, ce qu'on appelait. On avait des oiseaux et des iguanes et qui vivaient. Voilà. Et là, c'est avec Alligator que j'étais à leur terrarium tout neuf où j'ai présenté. Voilà, ils en parlent. C'est marrant, c'est une petite vidéo que tu as retrouvée. Ouais. Je commence à voir les jeux. C'est France 3. Hein. Ah. France 3 de 80. Non, 2001, 2001, pardon. C'est en 2001, ça. 2001, oui. J'étais même pas né. C'était, je crois, sur le corps aboli. Regardez, Gator tout jeune, tout beau, tout neuf. Ah là là, il était tout beau. Mais eux, ils n'ont pas les cheveux blancs, c'est curieux quand même. Même pas les écailles blanches, rien. voilà un petit peu. Donc, on a fait ça pendant 30 ans. Puis. Il y a eu le Covid qui est arrivé, donc effectivement, ça a changé beaucoup de choses, dans le sens où la cause animale, entre autres, nous a interdit... Attends, hop, pousse-toi là. Ah ben oui, qu'est-ce que tu fais là? La cause animale nous a interdit de... Enfin, passer une loi à 4h du matin dans l'hémicycle, la loi est adoptée. On n'a plus le droit, et moi j'ai encore le droit pendant 4 ans de faire encore des expositions, mais les budgets des grandes surfaces, après le Covid, il n'y en a plus, et depuis le Covid, on ne fait plus d'expos du tout. Alors... Très embêté de ne pas pouvoir faire des expositions. On a toujours nos animaux, ils sont habitués, ils sont là. Regardez, Alligator, 30 ans qu'ils sont dans nos places. Ils sont juste bon, maintenant, plus, ils mesurent 3 mètres. Hein. Ils ne mesurent plus. Mais ils vivent dans le salon, ils sont aussi gentils que s'ils mesuraient 1 mètre 50. Parce que quand j'ai récupéré Alligator, ils faisaient 1 mètre 20. Ils étaient grands comme ça, c'était des bébés. Vous voyez, on voit la photo, j'ai dans les bras. C'est ça. C'était... Tu les as récupérés dans les bras. À la place des varans. Et donc, j'ai fait ce truc-là. Et j'ai voulu les rapporter. Je les avais prêts, on me les avait prêtés, hein, Karim les avait prêtés. Et j'ai voulu les rapporter, donc on les a rapportés à Karim, et puis j'ai posé, voilà, salut, au revoir. Et au retour, vous savez, c'est un peu comme un petit coup de foudre, un petit peu une histoire d'amour. Vous voyez un petit peu ce que c'est qu'une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui m'a dit, et en plus il avait des petits bobos, c'était pas des beaux animaux, parce que les beaux animaux, il avait fait venir à l'époque une trentaine d'animaux pour les zoos, des crocodiles, hein, des alligators, pardon, dans les zoos, et ces deux-là, ils n'avaient pas été pris, ils n'étaient pas très beaux, ils n'étaient pas bien, ça allait pas trop. Et j'ai craqué, c'est vrai que Alligator, je les ai achetés. Parce que j'ai appelé dans la voiture, j'ai appelé Karim, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu les vends tes crocos? Il me dit, oui, c'est mon métier. Je lui ai dit, bah, écoute, je viens les chercher. Et j'ai récupéré Alligator. Au début, bon, il s'attaquait un peu, était très agressif. Je les ai séparés pendant un an. Il y a eu un travail d'un an où j'ai fait grandir un peu plus Ali, qui était un peu plus petit, qui se faisait mordre tout le temps par Gator. C'est du boulot parce qu'ils ont leur caractère. C'est du boulot quand même. Séparés. C'est ça. Oui, c'est du boulot. Mais quand on aime les animaux, c'est quand même deux alligators. Il faut prendre le temps. On n'achète pas un animal, mais dans une boîte, ça marche pas ça. Ouais. Il va mourir, il va pas être bien. On les prépare. On prépare. Et au bout d'un an, ils étaient à peu près de la même taille. Quand ils commençaient à se grogner, à s'engueuler un petit peu, je grognais moi, hop, tout le monde se calmait. Ils se battent jamais quand je suis là. Hein. Ils se battent quelques fois, mais quand je suis pas là. Mais quand je suis là, non, il n'y a pas de bagarre. Mmh. Pas devant le dominant, parce que ça va entraîner la guerre. Et si le dominant rentre dans le tas, ils ont peur du dominant. Voilà. Ils se disent, lui, il va nous mettre d'accord. Donc, parce que les animaux, ils sont comme nous, et ils réfléchissent un peu comme nous, il ne faut pas rêver. Hein. Et petit à petit, ils m'ont accepté. Et c'est eux qui m'ont accepté. C'est eux qui m'ont apprivoisé, on va dire. Ils m'ont accepté dans mon environnement. Avec ils t'ont accepté, on va dire, dans la troupe, on va dire ça comme ça. Dans la troupe. Ah oui, enfin, oui, voilà, oui, parce que beaucoup de gens qui viennent. Tu viens les membres de l'asso, on vient prendre un café, on vient discuter. On s'occupe pas d'eux, ils sont là dans leur coin. Et quand ils ont faim, c'est eux qui réclament. Il fait un peu froid, là, je me réchauffe un peu. Voilà. Au final, t'es un vieux crocodile, quoi.
Moi, je suis un vieux crocodile. Ils considèrent, sauf que moi, je suis un peu bizarre pour eux. Je suis debout. Non, t'es un peu bizarre, quoi. C'est oui, je marche debout, moi. Alors que eux, ils marchent comme ça. Ah, justement, mais, tiens, en parlant, moi, j'ai retrouvé une petite photo. Complètement accoutumés à nous. Ouais. Mais on les entend pas, on les voit pas, on s'en occupe pas. Bah, j'ai retrouvé une petite photo. Je flouterai le visage, hein. Mais ouais, voilà, ah tiens. Bah voilà. Et, hein, là, on voit Pascal. Bah, et là, justement, on est dans le décor. Là, on est dans le salon. Là, c'est pas les mêmes fauteuils. Ça, hein, c'est pas les mêmes fauteuils parce que souvent, vous savez, ils griffent un petit peu les fauteuils en passant. Ah bah oui, c'est ça. Eh bien, oui, ils passent dans nos pattes pendant qu'on mange. On est tous en train de manger, en train de discuter. Ils viennent, ils passent, ils nous réclament un petit bout de poulet, on leur donne, et puis hop, ils retournent dans leur coin. Et franchement, regardez-moi bien. Si depuis 30 ans, je vis avec deux allégateurs dans mon salon, qui font maintenant 3 mètres. Est-ce que vous croyez pas qu'il me manquerait des doigts? Et mes doigts, ils sont complets. Et ouais. Et j'ai pas de cicatrices. Les seules que j'ai, c'est dans le dos, mais ça, je vous expliquerai plus tard. Ça, c'est autre chose, ça, déjà. Ah, voilà. Voilà les affiches, quand on faisait les grosses affiches, là, de... Les grandes affiches qui font, je sais pas, 20 mètres sur 30 mètres. Ouais, elles sont grosses, hein, quand même. C'est des très grosses affiches, on voit les voitures à côté. De toute façon, dans tous les cas, moi, je mettrai la photo, donc là, de toute façon, je vais mettre la photo de ça. Et je mettrai aussi la photo de Beaulieu, juste à côté, où c'était... Oui, c'est une photo de Beaulieu, celle-là, il y a plusieurs affiches, on a fait quatre fois. Les Nantais connaîtront, mais du coup, les personnes qui connaîtront pas Nantais. Faut savoir qu'à Nantes, quand on a fait la première expo, on est resté 15 jours, ils ont demandé une prolongation d'une semaine parce que... Ça a tellement bien marché. On a bouché le périphérique. Et ça faisait un gros problème parce que tout le monde venait voir, et dans la galerie, c'est très large. Les gens marchaient comme ça, on marchait comme ça. C'est très large pourtant. Il y avait un monde de fous. Et d'ailleurs, les galeries nous disent toujours, à chaque fois, encore maintenant, dans le livre d'or, ils disent, revenez, on fait des Noëls tous les jours grâce à vous, c'est vraiment génial, c'est super. Mais maintenant, ils n'ont plus les budgets et maintenant, il y a la cause animale qui critique. Ouais, alors, on a peur d'être critiqué. On veut être politiquement correct au lieu de se battre pour que ces animaux soient des animaux à part entière et qu'on arrive à les découvrir. On leur tourne le dos et c'est pas très sympa de leur tourner le dos et de les abandonner en disant non, mais on veut pas savoir que ça existe. Ils ont besoin de nous, ils sont comme nous. Regardez celle-là. Là. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, celle-là? Hein? Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? T'es bien comme ça? T'es bien? Vous voyez que c'est normal, un perroquet qui fait des trucs comme ça. Et pourtant, il n'y a pas longtemps que je l'ai. C'est quelqu'un qui est parti en Afrique du Sud et qui n'a pas pu l'emmener pour les papiers. Ben moi, voilà, on est devenus copain-copine. Copain-copine. Hein? Allez, viens là, viens. Voilà. Et tiens, va jouer là-bas parce que tu es tout le temps sur mes épaules. Non, moi, je ne suis pas un pirate pour avoir mon perroquet sur l'épaule. Oui, un bisou d'abord. Fais-moi un bisou. Un bisou d'abord. Tu ne me fais pas mon bisou? Attends, on va la calmer parce que... un petit bisou. Fais-moi mon bisou. Tu ne fais pas? Elle ne veut pas. Elle est à bout. Bon, alors, je vais ailleurs. Voilà. Ça dépend. Elle a ses moments. Ah bah oui. Voilà. J'ai retrouvé ce que c'est. Un petit truc qui est disponible sur YouTube, d'ailleurs. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, oui. Ça, justement, qui est disponible sur YouTube. Oh là là là. Les petits carnets de l'aventure. Est-ce que tu veux en parler ou pas du tout? Oh, on peut en parler, oui, bien sûr, on peut en parler. Oh, c'est très vieux, hein, c'est sur YouTube. 82. C'est une date, ça s'appelle les carnets de l'aventure. C'était en quelle année? 82. En 1982, c'était les premières fois où j'ai été médiatisé, on va dire. Parce que c'est ça. Après, ça n'a pas arrêté. Hein. Ah bah, et, j'ai retrouvé des petits trucs, d'ailleurs, si tu veux. D'ailleurs, c'est rigolo parce que et là, j'étais resté pendant plus d'un mois chez les pygmées, j'étais tout blanc, tout maigre. Parce qu'il n'y a pas de soleil dans la forêt, vous savez, c'est compliqué quand on vit avec eux. Parce que bon, il n'y a pas de diode, il n'y a pas tout ça, donc il faut faire attention quand même, parce que nous, on est blanc, on n'est pas habitué. C'est pas la couleur, on s'en fout de la couleur. C'est que notre corps n'est pas habitué à vivre de cette façon. Après, on s'habitue. On fabrique des anticorps, on devient couteau. C'est le but de la manœuvre. Après, je suis encore là. Hein. Donc, et c'est là, quand bah... ça t'habitue bien. Et effectivement, le but, c'était, on avait un plaisir, c'était de ramasser des crocodiles près des villages où il y en avait, pour éviter qu'ils finissent dans les filets ou qu'ils dans les filets des... Et avec nos bateaux, on les remontait beaucoup plus haut et on les mettait plus haut. C'était un peu le sport du dimanche où on faisait ça et effectivement, moi, je ramassais les crocodiles à la main et je plongeais même dans l'eau pour aller les chercher. Donc une vidéo qui est quand même vachement impressionnante, je trouve, et que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, qui vraiment me fait trop rire. Mais tu sais, à l'époque, aujourd'hui, on a des téléphones portables, on fait des photos. À l'époque, on avait des appareils, on n'allait pas en bateau avec un appareil photo. Ah bah non, il y a dû y avoir des photos, on a des souvenirs. Donc on va partager les souvenirs. Effectivement, combien de fois les anciens, mes anciens copains qui maintenant ont mon âge, on avait tous 20 ans, 30 ans, connaissent, ils sont venus avec moi sur les îles. Je me souviens, il y avait des petites îles au milieu du fleuve, des fleuves qu'on suivait, et sur ces petites îles, on mettait des enfants, parce que les enfants hauts comme ça, les miens, et il y avait une tente, et dans la tente, on dit, vous sortez pas de la tente le soir, parce qu'à la tente, le soir, il y avait les petits crocos qui montaient sur la berge. Alors, ils s'enfermaient dans la tente, il n'y avait pas de problème, et nous, on a chassé les crocodiles, hop, on les ramassait, après, on allait les remonter beaucoup plus haut le lendemain.
lendemain, on est remonté beaucoup plus haut dans les fleuves. C'était un peu un plaisir et on les connaît bien. Au bout d'un moment, on sait comment les appeler. Ah bah oui. Si vous faites par exemple le bruit, parce qu'ils ont trois langages, les crocodiles. Ce que tu fais souvent, le bruit. Important, ouais. Quand un bébé sort de l'œuf, par exemple, et qu'il va appeler sa mère, il va dire. Le bruit que tu parles souvent. Et là, ça veut dire qu'il appelle sa mère. Et sa mère, vous savez, pendant longtemps, on pensait que les crocodiles mangeaient les bébés. Et c'est faux. C'est faux. La mère prend les œufs, elle met un nid, elle surveille les œufs, parce que quand elle a des œufs, elle surveille. Hein. Attention, elle protège son nid. Hein. Elle fait un nid comme les oiseaux. Hein. Ils font des œufs comme les oiseaux. Vous voyez, ils sont très proches. Hein. Ils ont un cloaque comme les oiseaux. Ils ont une troisième paupière comme les oiseaux. Ils ont beaucoup de choses. Les crocodiliens sont encore plus proches des oiseaux que les. Sauf que ça vole pas très haut. Hein. Ça reste un crocodile. Ali, voilà. tu veux voler un peu? Non, il faut vraiment les lancer. Il faut être fort. Hein. Il faut les lancer. Mais ça plane pas. Hein. Ça tombe pas en direct. Non mais on rigole. Donc évidemment, un jour, il y a des journalistes qui sont venus et qui ont vu mes chimpanzés vivaient, qui mangeaient à table avec nous, ils vivaient au bord de la piscine. C'est en Afrique. En Afrique. Ah, moi, je pensais que c'était après l'Afrique. Et je leur disais, ben là, demain, je pars pêcher des crocodiles. Ah, moi, je pensais que c'était après l'Afrique. Ça, c'était le carnet de l'aventure, je pensais que c'était l'après l'Afrique. Ah non, c'était bien avant. C'était très vieux. Tu montres des photos, tu racontes les moments. Bah oui, des moments. Bon, bah voilà. Et donc, évidemment, j'ai vécu avec les crocodiles. Et donc, comme je dis, ils ont trois sons. Ils appellent leur mère. Après, il y a quand ils arrivent l'un à côté de l'autre, ils font. Ça s'entend à peine. Mais ça veut dire, en gros, ça veut dire, t'inquiète pas, c'est moi, tout va bien, ils viennent pas en position agressive. C'est ça. Alors, ils ont des langages, et puis après, ils peuvent chanter, ils s'entendent jusqu'à 3 km par des infrasons. Ils peuvent chanter. Il y a plusieurs, et quand on connaît le langage de ces animaux, que ce soit la gestuelle, qui est très importante, et le son, qui est moins important, mais qui rentre plus dans leur intimité, bah, on arrive à cohabiter. La preuve, c'est que pendant 30 ans, je cohabite avec des monstres marins, on va dire, des monstres aquatiques, des crocodiles. Bah oui, non, ils sont comme vous et moi. Tout mignons. Il n'y a pas de souci. Ils sont tout mignons. Et donc voilà comment j'ai créé ça. Mais attention, c'est qu'après. Quand on a eu dire, après quand le Covid est arrivé, 6 mois avant le Covid, on nous a dit, bon, on ne fait plus d'expo, on arrête, on devait faire une expo à Toulouse, bref. Elle est en train de te chiquer le canapé tout à l'heure. Et mais t'as fini de manger les canapés. T'es une vilaine fille, hein. Allez, va jouer. On va les changer, mais là, il ne faudra plus le faire. Hein. On va prendre des canapés en béton armé. Les canapés depuis tout à l'heure. Ouais, ils font des petits trous partout. Vous savez, quand il y a de l'amour, on aime bien regarder les gosses qui font des conneries. Alors, bah oui, ça, même, on s'en fout. Hein, on est tous ça, on en est tous pareil. Donc, c'est pas grave. Hein. Oui, t'es une vilaine. Fais-moi un bisou. Donc, c'est quand même à cette époque-là où tu commençais à être médiatisé. J'ai toujours été. Alors, ça, pour les gens savent, parce qu'on voit. On voit dans les reportages de télé, un peu partout. Il y a un reportage d'ailleurs qui est sur YouTube, qui est les 30 millions d'amis, par exemple. Oui, on a fait aussi 30 millions d'amis par exemple. Il y a un truc qu'on a retrouvé et qui me fait énormément rire. Ah bon? T'es passé. Tu vas encore te foutre de ma gueule. Ah ouais, clairement. T'es passé à l'époque sur. On mettait un carré blanc. Hein. Autrefois, on mettait un carré blanc quand c'était interdit aux enfants. Hein. C'est une émission qui est passée à l'époque. Tu vas t'en souvenir. Oula. C'était sur TF1, mais c'était juste une petite émission pour un jeu et tout. Mais est-ce que tu te souviens de ça? Ah, ça s'appelait Identity. Identity. Oui, avec la gaffe qui est. D'ailleurs, si tu vois les vidéos, je dis bonjour. Oui, bah oui. Il fallait choisir. Qui fait quoi là-dedans. Et donc, Lagaffe, il était fou parce qu'il disait c'est toi. Pendant dans les loges, il me disait c'est toi, je suis sûr que c'est toi. C'est forcément toi, c'est forcément toi. Moi, les crocodiles, ils montent une grosse dent de crocodile. Il me dit hein, ça, c'est quoi c'est... Bah, j'ai une dent de crocodile, oui. Bah, c'est toi. Donc, moi, j'ai joué le jeu en disant non. Et à la fin, évidemment, on découvre que c'est moi qui ai les crocodiles. C'est lui, voilà. Et Lagaffe, il faut voir la vidéo, elle est sur. Celle-là, je l'ai. Non, celle-là, elle n'est pas sur YouTube, je crois. Mais il faudra la mettre, tiens. Ouais, faudra peut-être la mettre. On vous la mettra. Et évidemment, il était comme un fou, il a couru partout. Ah, je savais que c'était lui. Je savais, voilà. C'est voilà, ça, puis voilà. Puis d'ailleurs, je le salue parce que s'il nous voit, on ne sait jamais. Peut-être, là. On va. Peut-être. Nous, on est toujours à courant, tranquille, nous. Hein. Tu veux passer. Puis il m'a dit, il faut que je passe te voir et tout. Et voilà, bon, ça c'est des. Mais bon, on s'en fiche, on ne court pas après tout le monde, on vit notre vie. Ah oui, non, bien sûr. On travaille beaucoup pour le cinéma, pour les trucs comme ça. Ça m'a fait rigoler un petit peu de voir qu'à l'époque, tu faisais quand même beaucoup de télé. T'as fait des trucs avec Jamy aussi. Ben, il m'appelait souvent. Jamy, on en a fait 7 fois. T'as fait 7 fois. Ouais, mais on n'a plus le droit d'amener d'animaux sur les plateaux, la cause animale, encore une fois. On a l'impression que la cause animale, ils veulent tellement défendre les animaux, un peu comme les poules, ils veulent tellement récupérer leurs bébés qu'elles marchent dessus, elles les tuent.
C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors non, au contraire, il faut aujourd'hui vivre en symbiose avec la nature, pour la, avec la connaissance. Parce que si on leur tourne le dos et qu'on ne les connaît pas, comment on va protéger? On ne protège que ce que l'on connaît, j'arrête pas de le dire. Donc je ne suis pas du tout avec eux. Ils ont de l'énergie, mais qu'ils la mettent dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. C'est pas parce qu'ils pensent à un truc, parce qu'ils ont un chat à la maison, qu'ils sont, ils connaissent tous les animaux de la planète. Non, non, apprenez à connaître chaque animal et accepter leurs différences comme nos différences, c'est accepter nos différences qui est important. Donc, stop, je n'ai rien contre eux, bien au contraire, c'est bien ce qu'ils font, mais il faut en parler. Mais eux s'occupent plus de la façon dont on tue des poules ou des moutons ou des cochons, qui est le bien-être. Évidemment, les espèces de, excusez-moi du terme, les salopards qui maltraitent les animaux qui vont aller à l'abattoir, je pense que même nous, là, quand on, autrefois, quand il y avait la peine de mort, on donnait une cigarette quand même, ou un repas. Voilà, c'était la règle. On pourrait respecter l'animal qui va nous nourrir. Hein, il faut pas oublier qu'aujourd'hui... C'est la base. Et oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Si vous aimez de la viande et vous voulez manger de la viande, comme moi j'en mange, hein, bah, vous prenez votre poulet vivant, vous l'égorgez, vous lui enlevez les plumes, vous le videz, vous le préparez, et là, vous respectez l'animal, parce que là, vous n'allez pas le manger tous les jours. Aujourd'hui, on prend un poulet. Oh, la date est passée, on le jette. Mais c'est une vie. Putain, c'est une vie qui nous nourrit. C'est aussi une forme de respect. C'est ça. C'est de voir, de comprendre. L'animal et en même temps. Voilà, c'est tout. C'est quand on fait ces choses-là, on mange mieux d'une part. On mange que de la viande, On mange beaucoup mieux et on mange de la viande équilibrée, des protéines animales, des protéines végétales, du sucre, etc. On mange beaucoup mieux comme ça que de manger tous les jours. Attendez, vous imaginez, tous les jours, plumer les poulets, les couper, les vider, aller tuer le cochon, aller tuer le mouton, l'égorger, enlever la peau, préparer les gigots, rouler ça. Arrête de te moquer de moi, quoi. Hein? Oui, je sais ce que tu veux. Toi, tu veux des caresses comme ça. Voilà, t'as tes caresses. Voilà. Vous voyez, les animaux le méritent. D'ailleurs, tu sais que les perroquets aux petits pois, c'est très bon à manger, hein. Avec des petits pois bien préparés, non? On n'est pas d'accord. Alors, sois sage, sois gentil. Hein. Voilà. Ah, mais voilà, c'est. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, ça. Effectivement, donc je pense que si on veut. Moi, j'ai des petits-enfants, hein, j'ai des petits-enfants et des enfants. Et si on veut vivre en symbiose et sauver notre planète, il faut savoir comment le faire. On a les moyens, on a l'argent pour refaire. J'ai vu dernièrement un reportage en Chine, des déserts complets. Des déserts, ils sont en train de replanter de la paille, des arbres, des machins, et le désert est en train de verdir. Le désert, si on dépensait notre argent à replanter tout ça, les animaux reviendraient, la vie reviendrait, il y a de la place pour tout le monde. Mais non, on laisse les déserts comme ils sont, et encore, on va prendre le sable pour faire des maisons, c'est tout ce qu'on fait. Non. Refaisons les choses. Cool. Au lieu de dépenser cet argent à se battre, cet argent à faire des conneries, à qui en aura le plus pour avoir un bateau qui a 3 mètres de plus que l'autre, non, mais stop! Protéger votre environnement, c'est protéger votre descendance. Et oui, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont vivre comment? Alors aujourd'hui, on a des idées, dire tiens, on est 8 milliards sur la planète, il faut en éliminer, peut-être que ça reprendra. Mais non, il y a de la place pour tout le monde, il suffit de s'organiser. Regardez les déserts, si on peut reverdir les déserts, la pluie viendra, parce qu'une fois que les plantes poussent dans les déserts, ça fait de l'ombre. Ça commence à créer une hygrométrie, une température, ça va attirer les nuages, etc., etc. Mais c'est simple, on a les solutions, mais on ne le fait pas. Moi, je vais quitter cette planète pour voir qu'on l'a détruite. C'est inadmissible, je n'arrive pas à comprendre. On ne mérite pas la Terre, on ne la mérite pas. Apprenons à connaître notre environnement et le bonheur de vivre avec des animaux qui nous acceptent, parce qu'on les accepte d'abord, parce qu'eux aussi, ils sont craintifs, et eux, ils ont peur. Bah, ils sont plus craintifs. Croyez-moi, c'est un gros bonheur. Et pour ceux qui ont des animaux, vous le savez, c'est un bonheur d'avoir un animal. Parce que les animaux nous apportent beaucoup de choses. Et comme je dis souvent, les animaux, quand un enfant prend un petit lézard ou un petit animal, ou un cochon d'Inde, ou un petit hamster, cet animal indirectement, qui a été élevé entre autres pour ça, hein, pour les cochons d'Inde, ou les petits trucs, eh bien, il va être obligé de s'occuper d'une vie, se rendre compte que les autres ont besoin de lui, que lui, il a besoin des autres, et ça va faire un enfant qui est sociable. Un enfant qui vit tout seul dans son béton, sur ses ordinateurs et sur son téléphone, c'est quelqu'un qui va devenir agressif ou qui va être malheureux, qui va pas être bien dans sa peau. On n'est pas fait pour ça. On est des animaux quelque part. On a besoin des animaux. Et avec les animaux, on s'entend bien. Et c'est un vrai bonheur parce que c'est de l'amour avec tout ça. Hein, et on sait bien que c'est de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que vous montrez comme photo horrible encore? Non, on va retrouver un petit peu. On va retourner un petit peu sur les expositions. Je me moque de moi. Oui, je sais que ça te gratte là. Je sais. Oui. On va retourner un petit peu sur les expositions après ce long discours et très impressionnant. Oui. Non, c'est. Là, je te passe tout ça. Je te laisse regarder un petit peu. Oh là 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 là.
Les photos vont défiler à l'écran. Celle-là, je ne sais pas si on la voit. Enfin, dans tous les cas, elle sera mise à l'écran. Elle sera mise à l'écran, dans tous les D'accord. cas. D'accord. Celle-là, dans Diabolieu, voilà. Ça, c'est ça. Toute l'équipe info, vous voyez, pantalon noir, petite chemise. Parce que pour respecter les animaux, la première chose à respecter, déjà, c'est de les respecter eux-mêmes. Donc, on n'avait pas des t-shirts avec des logos, non. On avait des chemises à manches longues, propres, avec un petit logo, pour avoir un signe distinctif, un enfant qui est perdu, on pouvait le récupérer pour retrouver les parents, avec marqué un faune sur le bras. On avait fait les choses très proprement. Là, on voit bien, là, c'est l'inauguration, ça, c'est une exposition qu'on avait fait aussi, ça, c'est à Noirmoutier qu'on avait fait ça, c'est vieux. Hein, avec des modules, ce sont des petits modules. Ça, c'était les scorpions qui changent de couleur. On faisait ça il y a 30 ans, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on commence à savoir. Mais il faut rabâcher quand même, y aller. Ça peut être sympa de refaire. Là, c'était des migales dans les gros murs, des migales qui ont une galerie ou alors qui sont sur leur terrain. Qu'est-ce qu'on a quand? Ça avait l'air sympa, ça. Là aussi, tout ça, c'est beau lieu. C'est des, je pense que ça doit rappeler des souvenirs. Voilà, là c'est des joyaux naturels qui étaient dans une exposition aussi. On a un peu de tout. Ça, c'est un module qui s'appelle le son. Ça veut dire que le son, tu regardes sur la photo ici, vous voyez, il y a des estrades, hein, on voit les estrades, et les enfants pouvaient monter sur les estrades pour être à la hauteur, et en plus, on appuyait sur des boutons, on entendait, comme je disais tout à l'heure, le serpent sonnette, ou la grenouille, ou le criquet qui chante, et au lieu de déranger les animaux, on appuyait, et le son était préenregistré, pour pas déranger l'animal, parce que pour faire sonner un serpent sonnette, il faut taper sur la vitre pendant une heure, et comme les nôtres étaient habitués au bruit, ils s'en foutaient complètement, ils s'en cachaient. Et on les voyait. Parce que, évidemment, si vous mettez des cachettes dans les vivariums, ils sont où, les animaux? Il y a quand même un mètre. Je le trouve pas, je le vois pas, là. J'ai retrouvé ces petites choses. Est-ce que tu veux bien me parler? Oui, je fais des dessins africains parce que je suis pas un intellectuel, je suis un manuel. Moi, je travaille beaucoup de mes mains, j'aime dessiner, sculpter, faire des tas de choses comme ça. Toutes ces petites choses, là, tiens. Regarde-moi ça. Oui, tu vois, ça, ces photos-là, c'est des dessins. Mais ça, je fais un dessin plus vite que je fais une lettre. un dessin comme ça, voilà, c'est deux Africains. C'est des dessins africains, c'est ça, c'est ce que tu parles. Chasse, tu vois. C'est très stylisé. Hein, dont notamment, il y en a un, ça. Là, non, ça, c'est encore autre chose. Ouais, mais ça reste toi qui l'as fait aussi, non? Oui, bien sûr. Mais tu sais, dans une vie, moi, je sculpte beaucoup quand j'ai du temps. J'aime bien la matière. Je suis quelqu'un de très tactile, j'aime pas toucher. T'es manuel, mais j'aime bien, certains matériaux sont agréables. T'aimes bien toucher. Plus les arbres, les humains, non, pas du tout, je suis pas tactile sur les humains. Prenez une fleur, vous la mettez à la main, vous faites une petite boulette, et tout le parfum qui sort, et vous savez de quelle fleur il s'agit. Une feuille, pareil, vous prenez une feuille de menthe, vous l'écrasez bien dans la main comme ça, une boulette. Ça dégage les narines, c'est ça. Ça dégage. On aurait de la menthe pour dégager les nageaux. Là, t'en as pas dormir les fesses à l'air, hein. C'est pas bien. Non, je rigole. Tiens, ça aussi, ça m'a fait marrer, ça. T'arrêtes pas de me torturer, hein. Mais non, c'est marrant. Si vous en avez marre, hein, regardez autre chose, hein, parce qu'il n'arrête pas de me torturer, il ne faut pas regarder. Hein. Tada! Oh, c'est là, marrant. C'était une expo, c'était mon anniversaire, donc ils m'ont fait un gâteau. Ils m'ont fait un gâteau qui s'appelle Crocodile Dundee. À l'époque, et puis celle-là, je suis en train de souffler. Regarde, c'est moi, ça. T'en fous, toi, ouais, t'as raison. Oui, ils avaient fait un joli gâteau, toute l'équipe. Vous savez, on était tous des bénévoles. On réussissait des choses, et ce qui était bien, c'est que on avait une symbiose qui se faisait avec les gens qui venaient voir. Ils adoraient discuter avec nous. Ils venaient à l'espace pédagogique, ils remplissaient des sondages. Et ils adoraient ça, ils disaient, c'est extraordinaire, on ne savait même pas. Et il y a même des gens qui me disaient, vous savez, moi je ne voyage jamais. Avec vos expos, quand on voit ça, j'ai l'impression d'avoir voyagé. Et des gens qui nous touchent là, hein, franchement. C'était, de toute façon, c'était comme ça. C'était comme ça que tu faisais, c'est comme ça que tu marchais. Et maintenant, on est passé sur autre chose. Maintenant, on est passé sur les réseaux. À cause de Julien. Salut Julien, d'ailleurs. Big up à Julien. Avec toi maintenant, on fait des vidéos sur TikTok. Sur YouTube, attendez, le vieux là, il a 72 ans aujourd'hui, hein, il y a quelques temps. 72 ans, il est sur TikTok, vous avez vu ça où vous? Il faut être toc-toc hein, quand même pour faire ça à mon âge. Wow. Je rigole. Mais le monde appartient à nos enfants.
Aujourd'hui, il faut aller voir nos enfants, puisqu'ils ne peuvent plus venir nous voir. Nous, on va vers eux. Donc, on va prendre les réseaux, et on met sur TikTok des informations sur les animaux. Et en fonction des réponses que vous nous faites sur TikTok ou sur YouTube, on va créer des vidéos pour vous ramener des réponses là-dessus, sur une meilleure connaissance, pour que ces animaux deviennent simplement des animaux et non pas des choses horribles ou dégueulasses, comme on pense. C'est horrible, c'est dégoûtant. Regardez, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les araignées. Sur les araignées des maisons. Voilà, celles qu'on trouve. Alors moi, j'en ai un. Il y en a pas mal beaucoup. Voilà, on ne met pas de produits chimiques chez nous, on a des araignées dans tous les coins. Mais ce n'est pas grave, c'est nos copines. Puis quand il y en a trop, elles se mangent entre elles, elles se débrouillent. Quand vraiment elles nous embêtent, il y a des toiles, on les enlève. Elles vont les refaire un peu plus loin, c'est pas grave. Mais au moins, les moustiques, vous ne voyez pas en train de me taper. Je tousse, oui, mais vous ne voyez pas me taper dessus. Voilà, il n'y a pas de moustiques. Et pourtant, c'est l'heure des moustiques. Hein. Ah bah là, c'est l'heure, ouais, pour le coup, c'est l'heure. Bah ici, t'en as pas. Non, c'est vrai, j'en ai pas pour une fois. J'ai une petite dernière photo. Ça va être la dernière de cette vidéo. Cette vieille tête-là. Oh là 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 là. Oh, allez. Bah alors là, je vais. Oui. T'as quel âge là? Dis-moi. Je sais plus, mais je dois avoir 40 ans, je crois. Une quarantaine d'années. 40 ans, oh là là. Ouais, franchement, moi. J'ai commencé à voir. Non, mais c'est la première fois. Quand je l'ai vu. Première fois que je l'ai vu cette photo-là, je me suis dit, mais c'est pas Philippe. Si, c'est moi. Non, je me suis laissé pousser la barbe, puis j'ai fait une photo parce que j'aime pas avoir la barbe. Là, je vais peut-être recommencer, c'est l'hiver, vous savez, ça me met. Ah, attends, l'hiver, on va recommencer la barbe. Bientôt, mais, Philippe avec la barbe. Non, j'ai pas la barbe. Et ouais. Souvent, on aime bien changer comme ça, vous savez. C'est comme ceux qui aiment bien changer de vêtements ou changer de lieu. Tu sais. Bah, pourquoi pas changer de gueule aussi? Bah, on change de gueule. Et moi, j'aime bien être les cheveux courts. Là, il faut chercher le coiffeur, les cheveux courts, être clair. Ça veut dire que j'ai rien à cacher. Je suis là, en face de vous. Je ne me cache pas derrière une barbe. Je ne me cache pas derrière des cheveux longs. T'as rien à dire. Il se cache avec des cheveux longs. Ah, t'as rien à dire, t'as rien à voir. Voilà, donc pour moi, c'est une histoire de, si je me respecte, moi, c'est que j'ai du respect pour vous. Quelqu'un qui ne se respecte pas n'a pas de respect pour les autres. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça se voit à la façon d'être, c'est tout. Après, il y a ceux qui ont envie de s'habiller comme ça pour rigoler, comme moi, j'ai envie de voir la barbe ou pas la barbe. J'avais une quarantaine d'années, je dois avoir 42 ans. Oh, la vache. Où j'ai la barbe, d'ailleurs ça me démangeait, hein. C'est pas drôle. Hein. Puis maintenant, de temps en temps, ben, ça m'arrive. Ouais, voilà, du temps. Tu vois, à cause d'un pari, d'une blague, ça part comme ça, puis ben oui. Ben, puis ben, après, voilà. Je vais jusqu'au bout, moi, Voilà, c'est voilà. Voilà. Bon, ben, voilà, moi, j'ai quasiment tout terminé. Si tu veux reparler un petit peu de quelques trucs, tu peux. Hein, pas de non, écoutez, voilà, maintenant, écoutez, sur les réseaux, vous pouvez nous suivre, effectivement. Donc, maintenant qu'on ne fait plus d'exposition, qu'on rentre plus d'argent dans l'association, on fait de temps en temps des petits trucs, des petits tournages, des petites pubs, des petits trucs qu'on a encore, mais vous savez, les gens, maintenant, ils vont à l'étranger pour filmer des animaux, ils ne viennent plus en France. Hein. Ça, c'est pas la peine, il y a toujours des gens en train de râler, la cause animale. De toute façon, on est un peu râleurs, les Français. Hein. Non, après, je suis en train de râler, moi aussi. Ouais, tu râles, j'avoue, c'est vrai. Moi aussi, je râle. J'avoue, c'est vrai, tu râles. Moi, je râle, là. Ouais, tu râles, là. Hein? Mais je dis, voilà. Donc, effectivement, donc, on fait des choses comme ça. Alors maintenant, on se rend compte qu'avec l'électricité qui a augmenté, avec les animaux, avec toute cette cause animale qui font culpabiliser les gens, bah, les gens qui ont des animaux les relâchent, ils ne savent pas quoi en faire. Soyez dans l'âge dans la nature. Le grand mot aujourd'hui, ne relâchez pas ces animaux dans la nature. D'une part, ils vont mourir. D'autre part, pour ceux qui vont hiberner, comme les crotales ou les cobras, qui peuvent hiberner, vont très bien s'adapter à la France. On a le même climat que le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, on a le même climat. Donc si on ramène ces animaux, ils vont faire souche ici. Et on va laisser quoi, nos petits-enfants? Des cobras, des crotales, des trucs? Ne relâchez pas ces animaux. Déjà, il y a les tortues alligators, on en parlera d'ailleurs. Plein de canals humidis, il n'y a pas que dans le canal humidis, on en a retrouvé à Caen, on en retrouve un peu partout. Donc, c'est plus la tortue de Floride, il y aura en plus la tortue alligator. Mmh. Ça coupe des doigts et des mains. Ne relâchez pas ces animaux, faites attention. Et la législation pour ces tortues-là, souvent, on n'a pas le droit de les détenir comme ça en captivité. On n'a pas le droit de les détenir, voilà. Soit on les tue, soit... Donc, ne faites pas n'importe quoi. Si vous achetez un jour un animal en Europe, n'oubliez pas que l'Europe est ouverte, mais les lois sont encore nos lois. Malheureusement, on n'a pas réglé ce problème. Enlever les magasins de vente d'animaux, c'est une solution. Mais si on fait ça en France, c'est bien. On gagnera plus d'argent en France. Mais par contre, les étrangers vont nous en vendre. Et tout ce qui est interdit, on va encore en prendre deux fois plus. Donc la solution, c'est d'avoir des gens comme la ferme tropicale qui sont en règle. Vous voulez un animal, vous l'avez. Avec tout, ils vont vous donner tous les renseignements. Et là, il y a du respect et pour l'animal et pour les lois.
Je finis là-dessus, puis enfin, lui dis bonjour. Moi, je te fais de la pub, mais j'espère que tu vas pas m'engueuler. Mais je parle. Voilà, et je vous dis, écoutez, on va vous laisser. Je vous ai assez embêté pour toute la soirée. Et puis, si ça vous intéresse qu'on vous refasse des petites vidéos comme ça, ben écoutez. Petites vidéos comme ça, on pourra rentrer dans la zoocryptologie. Regardez ce que c'est. Moi, j'ai connu l'histoire du dinosaure du lac Télé. J'ai connu l'histoire du tigre à dents de sabre. Donc, le Makalebembe, le Murungu, tous ces animaux. On en parlera si ça vous intéresse. Toutes ces légendes aussi africaines. Toutes les légendes, la Mamiwata, tout le monde connaît en Afrique, l'Afrique centrale, vous connaissez la Mamiwata, qui s'appelle, qui a d'autres noms, d'autres endroits, qui ressemble à une sirène, etc. On pourra vous parler de tout ça si ça vous intéresse. Bah, du coup, parce que moi je parle les langues africaines, donc automatiquement je sais, on ne me cache pas les légendes. Il y a beaucoup de légendes en Afrique, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas le télé. Maintenant ils ont le téléphone. Mais ils transmettaient beaucoup des légendes qu'ils transformaient. Et d'où venaient ces légendes? Ben, c'est là qu'on peut retrouver tout ça, d'où ça vient. Et moi, j'ai fait ça avec le professeur Evanman, que j'ai connu, qui était le créateur, le fondateur de la zoocryptologie, voilà. Le découvreur de la zoocryptologie. Zoocryptologie, ça veut dire zoo, animaux, crypto, caché. C'est des animaux cachés. Mais on n'en parlera pas trop. On vous en parlera. On en parlera une prochaine fois. Envoyez-nous des commentaires et on vous dira. Et en plus, plus vous faites de commentaires, plus ça nous rapporte un petit peu à nous pour nos animaux. Donc on vous dit merci et à bientôt. Ouais, merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.